The name Rotobec did not come out at the beginning. At first, the name was Rotation du Québec. But when you do your first sale in the USA, I am Mr. Salesman from Rotation du Québec. They get, well, what do you say? So we started Rotobec this way. Because what really differentiated Rotobec at the beginning was the continuous rotation. Moi, je faisais un transmis automatique, vite. Puis on réparait en même temps les machineries forestières, les charmantes rotations qui brisaient tout le temps. Parce que ça, ce qui arrive, une rotation normale, ça fait 3/4 de tour. Puis là, l'hiver, mais le gars, qui est dans le bois, n'importe quoi, il l'oubliait, puis il cassait la rotation. Mais ça fait une unité hydraulique, là, qui, le grappin était là, puis il virait, puis il fermait, puis il ouvrait en même temps. Là. Que ça, on est allé aux États-Unis pour vendre notre patente. Une compagnie qui fait des chargeurs. Ils ont dit, les gars de bois, ils n'ont pas besoin de ça, eux autres. Les gars de bois, eux autres, ils voyaient ça ici, là. En étant allés à Ottawa, ils ont dit que ça en a allumé plusieurs. Ils ont aimé ça. Ça a commencé. Rotobec es conocido por la invención de la rotación de 360 grados. Marcel inventó un sistema de conductor hidráulico que permite que el aceite circule desde el mástil de la máquina hasta la grapa a través del centro de la rotación. Todo ello para permitir una rotación continua de la grapa y reducir la frecuencia con la que se rompían las mangueras hidráulicas. Esta innovación es la que hizo famoso a Rotobec. Ça n'existait pas des rotations de 360 degrés. Là, on a commencé à installer des rotations sur des grappins de d'autres compagnies. Ceux-là qui avaient de la machinerie, ben, demandaient, hey, êtes-vous capable d'installer une rotation comme ça sur mon grappin? Fait qu'on a fait beaucoup de modifications. On a commencé à faire nos engrenages les autres mêmes. Ben, ça prenait des engrenages là-dedans. On prenait des gears de transmission de pick-up. On les mettait là-dedans, on les modifiait. J'aime ça, les défis. J'aime ça voir comment c'est fait. Puis... essayer d'améliorer les choses. Je traitais de même. Quand il y avait un problème, Marcel le réglait. Peu importe le problème, il y a toujours une solution. Puis on se casse la tête, on travaille fort, on est patient. Il y a une patience. Il savait qu'on fouillait. Bon, ben, il nous laissait aller, il nous laissait fouiller, il nous laissait approfondir au maximum. Quand ça ne faisait pas, on retournait le voir. Il nous repoussait encore à aller voir d'autres choses, à aller voir plus loin, puis tout le temps plus loin, jusqu'à temps que ça fonctionne. Ça, c'est le temps du garage, une modification. Donc, le temps de rotation continue là-dessus. C'est là que ça a commencé, Rotobec. On est gars de mécanique. Moi, j'étais à l'usine, j'étais président, puis j'étais en habit. Puis je me suis sali les mains souvent. Puis j'ai sali les chemises souvent aussi, hein? Oui. Les habits, les manches des habits aussi. Je voulais, on voulait que ça marche, que ça fonctionne. À partir des rotations continues, on a commencé à développer le domaine des attachements, des pinces, on arrivait avec certains modèles de grappins. Après ça, le principe de la rotation continue a été répliqué dans des appareils un peu plus gros, des chargeuses de toutes sortes de dimensions, des plus petites au début, des plus grosses par la suite. La rotation continue était comme le point de départ qui a amené à développer différents produits chez Rotobec. C'est-à-dire, le principe de la rotation continue, on l'a dans tous nos produits. En Rotobec, creemos que la calidad del trabajo habla por sí misma. Por eso aquí se hace todo. Desde el plano inicial hasta el último perno fijado, lo que garantiza una calidad incomparable. El departamento de mecanizado es un elemento clave en la calidad de los productos de Rotobec. De hecho, casi todos los componentes de nuestros productos se fabrican directamente en nuestras fábricas y se ensamblan posteriormente en el proceso de fabricación. Por ello, el parque de máquinas de San Justín está formado por 24 tornos y fresadoras de control numérico, así como por dos máquinas de mecanizado convencionales.
Estos incluyen dos tornos híbridos, 10 tornos CNC, 12 fresadoras CNC y dos máquinas de mecanizado de agujeros profundos CNC, más conocidas como Gondrill. Cada semana se producen más de 4,000 piezas. Todo esto es posible gracias a nuestro equipo de 50 maquinistas y operadores de equipos de producción. La producción de una pieza mecanizada comienza con la introducción de la materia prima en la máquina herramienta. Luego, el maquinista selecciona las herramientas adecuadas, lo programa y realiza los ajustes necesarios. Las herramientas eliminan el material hasta conseguir el tamaño y la forma deseados. A continuación, el maquinista comprueba que la pieza es correcta mediante diversas herramientas de medición. So we have to be resourceful. We are 90 minutes from Quebec City, 4 hours from Montreal away. So, I mean, we have to be able to do everything inside. As far as machining goes, Rotovex got several great advantages over our competition. The fact that we do all our machining in-house here, the fact that the park of machine that we have that is so wide, and the know-how, how we run those machines, the expertise. We really manufacture everything from scratch to finish. We don't buy lots of components. We buy steel, we buy tubes, we weld, we machine. The rotators is made here, our cylinders is made here, and this is one of the things that makes our strength.